Ok, on se lance. Salut les enfants. Salut. Hey, je te conseille de pas me piquer mon bolide. Ah ouais. J'étais à l'œil. Elisabeth, hey. Je suis impressionné. Merci, je m'entraîne tous les jours. C'est un vrai succès. Ah oui, les élèves sont en train de totalement s'éclater. Ouais, c'est le but de l'opération. Et tu sais quoi, on devrait aller boire un verre ce soir, j'ai envie de me saouler. Je vais pas être vraiment saoule, juste pompette, encore capable de conduire. Je suis désolé, c'est trop tôt, je me sens pas prêt. Mais si t'es patiente, je crois que je pourrais valoir le coup. Tu vaux l'attente. Je suis d'accord avec toi. Et badaboum. Wally, c'est Amy Cureuil. Amy? Mais qu'est-ce que vous... Mais sortez d'ici! Ça ne sera vraiment pas long. Je suis passée devant le lavotan des secondaires 1 cette fin de semaine. Non, mais on peut pas parler de ça tout à l'heure. Tout à l'heure, nous serons morts, dit à la mouche, l'alligator. C'est quoi ce bordel? Quoi? Allez-y. Donc, je ne veux pas mêler vos honneurs scolaires, mais... D'après ce que j'ai cru voir, je crois qu'il a semblé que Madame Halsey était intensément intéressée par l'argent amassé. Êtes-vous en train d'accuser Elisabeth de dilapider les fonds venant du lavoton des secondaires 1? Wally, je vous rappelle que nous avons affaire à une pure inconnue. Ouais, vous savez quoi, ils ont réussi à aller chercher 7 000 $. Alors, je sais pas ce qu'elle a fait, mais c'est réussi. Le père de Viet Young a téléphoné. Il a dit que le lavoton a été un franc succès. Et le père de Lorraine Rissman a appelé. Il a suggéré qu'on fasse un lavoton tous les week-ends. Oh. Alors au lieu de l'accuser, vous devriez peut-être lui demander conseil. Eh bien, si jamais cette fille me conseille de porter des vêtements de plage suggestifs pour être rentable, bah, je l'envoie balader. Non mais je rêve. C'est l'unique pièce dans toute la bâtisse où je peux réfléchir sans qu'on vienne me déranger. Ça ne m'arrive qu'une fois par jour. Si j'ai de la chance. La prochaine fois que vous accuserez un de mes enseignants de vol, vous feriez mieux d'avoir des preuves. Nom d'une pipe. Fin de l'entretien. D'accord. Je vous souhaite à tous les deux une super belle journée. Oh, quelle emmerdeuse, je croyais qu'elle foutrait jamais le camp.